Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Quelle gamme jouer sur des playbacks? Aujourd'hui, c'est facile de trouver des playbacks sur YouTube notamment, des accompagnements de morceaux qui existent ou même des grilles qui tournent. Et à la guitare, c'est très pratique pour travailler ça, à n'importe quel instrument d'ailleurs. Mais c'est pas toujours facile de savoir quelle gamme utiliser sur ces playbacks-là, même si la tonalité est indiquée. C'est aussi fort probable que vous utilisiez toujours les mêmes gammes, je pense évidemment à la gamme pentatonique mineure ou à la gamme blues que les guitaristes connaissent bien, mais dans cette vidéo, du coup, on va voir les différents contextes harmoniques couramment utilisés qu'on trouve souvent dans ces playbacks, dans les styles blues, rock, funk, chanson. Et on va voir qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, qui sont très courants, il y en a trois principalement, et nous, on va voir à la guitare comment adapter, comment synthétiser tout ça et avoir une vision un peu d'ensemble pour savoir, en fonction du playback, si on va jouer plutôt dorien, mineur naturel, blues, majeur, etc. C'est parti. Alors, le premier cas le plus facile et qui est un cas très courant, c'est un contexte tonal mineur clair. Par exemple, ben, un accord mineur, tout simplement. Si je plaque un accord de ré mineur, on est en ré mineur. S'il y a uniquement cet accord de ré mineur, on est en ré mineur. Il n'y a pas de difficulté. On est clairement dans une tonalité mineure. On peut aussi prendre un enchaînement d'accords. Alors si je le prends en la mineur, ça peut donner des accords comme la mineur, do majeur, sol majeur, fa majeur. Ça, c'est clairement dans une tonalité de la mineur. On peut dire c'est une chanson. Un accompagnement pop ou un accompagnement chanson dans un contexte tonal mineur clair. Un accord mineur, il y a un accord mineur qui porte le morceau. Je vais faire maintenant une improvisation sur deux playbacks qui sont dans des contextes tonaux mineurs clairs. Dans ces contextes-là, on peut utiliser évidemment des gammes mineures. Alors la première à laquelle on va penser, qui marche quasiment tout le temps, c'est la pentatonique mineure. Supposons qu'on soit en ré. La pentatonique mineure, une des positions couramment utilisées, ça c'est la deuxième la plus connue, c'est la suivante. Vous la connaissez probablement déjà, il y a la gamme blues qui est la même position, enfin la même gamme, mais avec une note en plus. On peut aussi utiliser cette gamme, ça donne une couleur un peu plus blues. Et on peut utiliser d'autres notes qu'on va rajouter à cette pentatonique. Je pense notamment à deux gammes qui sont issues de cette pentatonique avec des notes en plus. Le mode mineur naturel, qu'on appelle éolien aussi, et le mode dorien. On va utiliser soit l'un soit l'autre en fonction du morceau. Ça dépend des accords qu'il y a dans le morceau. Donc je commence par le mineur naturel. Le mode dorien, c'est la même chose, mais avec juste une note qui change, avec une note qu'on appelle la sixte majeure. Ce qui va faire qu'on va jouer plutôt mineur naturel ou plutôt dorien, ça va être l'accompagnement. En funk, on joue plutôt dorien. En rock lent, mineur, on joue plutôt mineur naturel. Bon, ça, c'est essayer les deux gammes, essayer de voir ce qui sonne le mieux. Donc je vais faire une improvisation, je vais commencer sur un accompagnement inspiré de Sultan of Swing, qui est un accompagnement qui sous-entend clairement la gamme mineure naturelle, puisqu'il y a les accords de ré mineur, do majeur et si bémol majeur. Et ça, ce sont des accords qui sont dans la gamme de ré mineur naturelle. Voilà, donc j'ai fait ré pentatonique mineur, un peu de ré blues et ré mineur naturel. Si j'avais fait ré dorien, va vous essayer. Ça marche pas très bien.
maintenant sur un autre playback qui sous-entend plutôt le mode dorien. Mais ça marche aussi avec un peu de mineur naturel. Donc je vais faire entendre un peu des deux. Vous allez voir que le dorien, ça sonne un peu mieux, puisque c'est un playback qui est dans le style du morceau Another One Bites the Dust de Queen, et qui est un peu funky, donc du coup, ben, en funk, on aime bien le mode dorien. Donc ça, c'était le premier contexte harmonique très couramment utilisé, un morceau mineur, une tonalité mineure claire, un contexte tonal mineur. Le deuxième contexte très courant, c'est un morceau clairement majeur, dans une tonalité majeure. On n'a qu'à prendre l'exemple des accords, disons, Do, Sol, Fa, La mineur. Tout ça, c'est dans la tonalité de Do majeur. Et vous remarquez que ça correspond aux mêmes accords que j'ai cité quand j'ai parlé de la gamme de La mineur, puisque quand on est en Do majeur, enfin la gamme relative mineure, c'est là, donc si on n'a rien à la clé, aucun dièse, aucun bémol, on est soit en Do majeur, soit en La mineur. Donc on peut très bien être en Do majeur si l'accord qui porte le morceau, l'accord principal du morceau, c'est l'accord de Do majeur. Si on est dans un contexte tonal majeur, on va pouvoir utiliser, bon, certes, la gamme majeure du morceau, c'est quelque chose qui ne marchera pas tout le temps en fonction du style dans lequel on joue, mais nous, on est des guitaristes et on connaît la gamme pentatonique. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est la gamme pentatonique majeure du morceau. Si on est en Do majeur, on va pouvoir utiliser la gamme pentatonique majeure de Do. Oui, mais on est guitariste et on ne connaît pas la pentatonique majeure, on connaît la pentatonique mineure. Il se trouve que en fait, les positions de la pentatonique majeure et de la pentatonique mineure sont les mêmes positions, mais décalées. En fait, on dit que la pentatonique mineure est un mode de la pentatonique majeure. Bon, dit un peu plus concrètement, si je suis en Do majeur, je vais pouvoir utiliser, pour faire entendre la pentatonique majeure de Do, la gamme pentatonique mineure de La. Et celle-là, a priori, vous la connaissez. C'est une des gammes, c'est la gamme la plus utilisée, la plus connue des guitaristes. Donc, alors pourquoi j'ai pris la gamme pentatonique de La? Parce que je suis en Do majeur, la tonique du morceau c'est Do. Et je suis dans un contexte tonal clairement majeur. Du coup, je descends de 3 cases, 3 demi-tons ou 1 ton et demi, comme vous préférez. Donc 1, 2, 3, j'arrive sur un La, et là je tombe sur la note relative de Do majeur, bref, la note que je vais cibler pour jouer ma pentatonique mineure. Donc dans un morceau en Do majeur, je peux jouer la pentatonique mineure de La relative. En Do majeur, je peux jouer la pentatonique mineure de La. Donc c'est parti, je fais ça sur un playback en Do majeur, avec les accords Do, La mineur, Fa et Sol, je crois. Donc en utilisant la pentatonique de La mineur, et après on voit des petits détails pour faire entendre cette gamme dans la bonne tonalité. On va voir ça. Voilà, là je suis resté dans la pentatonique mineure, j'ai parfois fait entendre la note blues avec ce bend là, très, très souvent utilisé, sur le bend sur la carte de La. Mais une petite subtilité, donc ça marche très bien, voilà, mais une petite subtilité, si vous utilisez cette position de gamme là, vous allez sûrement vouloir jouer des phrases que vous avez l'habitude de jouer
avec cette position-là dans un contexte mineur, en La mineur par exemple, en pensant au La. Sauf que là, la tonique du morceau, la note importante, la note la plus stable, c'est un Do, et ça n'est pas un La, donc c'est la deuxième note de la gamme, si on la pense par rapport à La. C'est ça, c'est un Do. Donc elle est ici la tonique, ici, ou dans les aigus ici. Ça veut dire que si on veut faire une phrase très résolutive, on va finir sur cette note-là plutôt que cette note-là, qu'on utiliserait si on était en La mineur. Mais on n'est pas en La mineur, on est en Do majeur. Donc par exemple... Ça c'est une phrase très résolutive qui résout sur un Do, puisqu'on est en Do majeur. Donc la tonique de cette gamme-là, il faut penser qu'elle n'est pas ici et ici, mais ici et ici, et là. Et puis une autre impro, juste pour le plaisir, uniquement sur l'accord de La majeur. Du coup, si on est en La majeur, je vous laisse calculer la gamme pentatonique mineure qu'on va utiliser. C'est parti. C'était donc la gamme de Fa dièse mineur, la gamme pentatonique mineure de Fa dièse. On est en La majeur, la tonique du morceau dans un contexte majeur c'est le La, on descend 2-3 cases, c'est un Fa dièse. Ça c'était le deuxième contexte, un morceau tonal majeur. Donc premier c'est tonal mineur, tonal majeur, tonalité majeure, et le dernier c'est... quelque chose d'un petit peu ambigu. En fait, c'est l'harmonie du blues. Lorsqu'on a une grille qui contient pas mal d'accords 7, il y a de fortes chances qu'on soit en présence d'une grille de blues, ou l'harmonie sous-entendue par le blues, notamment si on rencontre les degrés 1, 4 et 5 d'une gamme. Disons qu'on est, on commence par un sol 7, par exemple, sur une grille, on voit sol 7, do 7, ré 7, ces trois accords, ça correspond aux degrés 1, 4 et 5, d'un blues en sol. Sol 7, Do 7 et Ré 7. Là, je joue uniquement fondamental tierce septième. Mais je peux faire ça. C'est la même chose. Hein. Sol 7, Do 7 et Ré 7. Donc si on est en présence de ce genre d'accord, d'un accord 7 qui dure longtemps, ou alors de plusieurs accords 7 qui font entendre l'harmonie du blues, ce sont donc des accords majeurs avec une tierce majeure et une septième mineure. Et sur ces accords majeurs, on va pouvoir jouer une gamme mineure, la gamme pentatonique ou la gamme blues. Donc si on est par exemple sur un blues en sol ou sur un accord de sol 7 qui dure longtemps, même si l'accord est majeur, on va jouer la gamme de sol mineur. Alors, donc faut bien comprendre qu'en fait on joue une gamme mineure sur un contexte majeur et c'est ça qui fait que ça dissonne. La concordance, la justesse harmonique, n'est pas parfaite, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait que ça sonne un peu faux. Ça sonne, le blues, ça sonne un petit peu faux, mais c'est des fausses notes qui sont belles, enfin, qui sonnent blues. On aime bien ça, c'est quelque chose de souhaité. Donc on joue la gamme pentatonique mineure ou la gamme blues de sol sur un blues en sol, qui commence par un sol 7. Je vais illustrer ça sur deux playbacks, le premier sur un accord de la 7, uniquement la 7 avec une rythmique blues. Et maintenant sur un blues en Do, un blues rock en Do. Donc tout du long, j'utilise la pentatonique de Do mineur, la gamme blues de Do.
Donc juste pour récapituler le contenu de cette vidéo, essayez lorsque vous improvisez sur des playbacks, quels qu'ils soient, dans un style blues, rock, funk, pop, chanson, des playbacks qu'on trouve facilement sur YouTube par exemple, essayez de voir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un contexte clairement mineur, dans une tonalité mineure, dans une tonalité clairement majeure, ou alors sur des accords 7, sur une espèce d'ambiguïté majeure-mineure. Le blues, hein, c'est l'illustration parfaite de cette ambiguïté majeure-mineure. Dans le premier cas, on joue la pentatonique mineure, des gammes mineures qui tournent autour de la tonalité mineure. Dans le deuxième cas, on va chercher la position de la gamme mineure relative, ce qui va nous faire entendre la pentatonique majeure. Et dans le dernier cas, on joue une gamme mineure même si on joue sur des accords majeurs ou des accords 7. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair concernant les différents contextes harmoniques dans lesquels on peut se retrouver quand on joue sur des playbacks aléatoires.